Yes. Nous sommes dans la magnifique présence de Dieu, la plus belle, la plus douce, la plus forte, la véritable présence de Dieu. Et nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons vécu hier dans sa présence. Et nous ne serons jamais satisfaits de ce que nous allons vivre dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a abondance de liberté, abondance de révélation, abondance de connexion, abondance de connaissances, abondance de révélation, abondance de visitation, abondance de toucher, abondance de vision, abondance d'illumination. Ô Santa Rabahandereanta Atomati Oh Père, moi je ne suis pas satisfait de la dimension dans laquelle je suis. Beaucoup de personnes voient la dimension dans laquelle je suis comme un gain, et moi je le vois comme une perte. Non pas de manière ingrate, mais parce que je reconnais qu'il y a tellement plus avec toi. Ô Rahandeyantarabandu Santa. Il y a plus de vie de prière, il y a plus de vie de méditation, il y a plus de vie d'enseignement, il y a plus de vie de réalisation, il y a plus de vie de communion, il y a plus de vie de sanctification, il y a plus de vie de consécration. Esprit de Dieu, par ton esprit, viens nous amener à avoir plus de tout. Oh, je ne suis pas satisfait d'une dimension originelle. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Donc il y a plus, donne-moi plus. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Tu es le Dieu de l'extraordinaire. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je suis insatisfait de ta gloire, je ne suis pas satisfait plus de ta dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Exagère dans ma vie, je ne suis pas satisfait. Parle-moi une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je veux plus avec toi, je ne suis pas. Oh, ne me laisse pas d'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je veux connaître mon Dieu, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas, satisfait d'une dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi.
Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, je réclame plus de toi, Seigneur, plus de toi, je veux ton autorité, plus de ta ressemblance, plus de toi, je veux ton caractère, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je réclame plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Ne me laisse pas ne pas avoir plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Viens donner la paix à nos cœurs. Viens remplir nos cœurs de ta joie. Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits de la dimension dans laquelle nous sommes et nous voulons plus que le toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen? Dis-moi Amen en commentaire. Dis-moi un bon Amen en commentaire. Gloire à Jésus. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas crier. Aujourd'hui, je ne vais pas crier. Je vais parler doucement. Donc, j'espère que tu m'entends. Ok, j'espère que tu m'entends. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire dans ce groupe, lorsque nous commençons le monde d'enseignement, nous prenons le lien et nous le partageons aux gens autour de nous. Donc, tu vas prendre le lien qui t'a été envoyé et tu vas le donner, envoyer à quelqu'un et demander à cette personne de se connecter avec nous. Quelqu'un me dit Amen, demander à une personne de se connecter.
Une personne qui a pas encore reçu le lien. Si tu as déjà envoyé une personne qui a reçu le lien, ne force pas. Laisse la personne. Vous avez, pendant que je priais, Yesu m'a dit, arrête de poursuivre. Laisse-moi attirer. Même si on est 7, même si on est 5, même si on est 6, Dieu veut parler à ton cœur, il va parler à ton cœur. Dieu ne se manifeste pas forcément quand il y a la foule. Même dans les petits trucs, il se glorifie. Et je crois qu'il va se glorifier ce soir. Quelqu'un me dit Amen. Je crois que Dieu va se glorifier ce soir. Il dit, je crois que Dieu va se glorifier ce soir. Bon. Il dit, je crois que Dieu va se glorifier ce soir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons passer à notre enseignement de la semaine. Et laissons l'esprit nous conduire. Cette parole est une parole que j'ai reçue à 20 h, il y a 2 heures de cela, que l'esprit a fini de télécharger en moi. Donc, c'est une parole qui est fraîche. Mais je crois que Dieu n'a pas fini de t'épater. J'aime dire à quelqu'un que Dieu est sérieux. Lorsque Dieu a annoncé et il a dit que le temps du divorce perpétuel avec l'épouse est arrivé, je me suis dit que Dieu est sérieux. Il ne s'amusait pas. Dieu a l'intention et il compte te libérer de tes prisons. Il a l'intention de te libérer du péché. Il a l'intention de te libérer de la maladie. Il a l'intention de te libérer des possessions démoniaques, des blessures émotionnelles, de la colère, de la tristesse, de l'amertume. Il a l'intention de te libérer de l'homosexualité, du viol, de la pornographie, de la masturbation. Dieu a l'intention de le faire. Il était sérieux. Il ne s'amusait pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. J'aimerais dire que Dieu va le faire. La parole qu'il a relâchée, il va l'accomplir. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, dis-leur vendredi de ne pas mépriser les paroles prophétiques. Vous savez, nous avons tendance à oublier les paroles prophétiques. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît. Quand vous connectez, faites attention à vos micros. Coupez vos micros. Merci. Et nous avons tendance à mépriser la parole prophétique. Ce n'est pas une bonne chose. Lorsque Dieu annonce une décision dans ta vie, il accompagne cette décision par une parole. Quelqu'un me dit Amen, je continue. Lorsque Dieu annonce une nouvelle saison dans ta vie, ce qu'on appelle le kairos, il annonce ça avec une parole. Dieu ne va jamais sceller une nouvelle étape dans ta vie sans parole. Donc, lorsque Dieu relâche des paroles prophétiques, il faut comprendre que cela symbolise une nouvelle saison. Voilà pourquoi ne méprisez pas les paroles prophétiques. Vous savez souvent, tu sais pourquoi ta vie ne manifeste pas tout ce que Dieu a dit à ton sujet? C'est parce que tu mets de côté, dans la saison dans laquelle Dieu t'a placé, tu mets de côté la parole qu'il a placée dans la saison avec toi. Dieu t'a donné une saison, mais à cette saison, il a accompagné la parole. Mais toi, tu vis dans la saison en mettant de côté la parole qu'il a relâchée. Ouais, c'est ça le problème. Dieu a relâché deux paroles. Et à la semaine dernière, lorsque nous avons un shift together, il a relâché deux paroles. Mais la dernière, c'était la parole d'une nouvelle saison. Il a dit, il t'a retiré. Il a dit, il t'a retiré de la puissance du mal. Il t'a retiré de la main des méchants. Il t'a fait sortir des prisons et il t'a mis au large. Oh, ça, c'est une parole prophétique. Avec laquelle il ne faut pas jouer, avec laquelle il ne faut pas s'amuser avec cette parole. Il faut la saisir, il faut croire en cela, il faut la confesser, il faut la proclamer. Il t'a mis au large, il t'a envoyé loin. Ça veut dire en fait, non seulement il t'a retiré, il t'a fait sortir des prisons et il t'a envoyé loin. Il a créé entre les prisons et toi une séparation véritable. Dieu ne permettra pas que les prisons d'hier soient les prisons de demain. Je dis, les combats d'hier ne sont plus des combats de demain. C'est Dieu qui le fait. Oh, Masaham. Alors ne méprise pas la parole prophétique. Et nous avons commencé une série à maintenant, nous sommes au 18e message, donc ça fait maintenant combien de mois? Combien de mois? Ça fait 4 mois et 2 semaines. Wow. Donc ça fait 4 mois et 2 semaines que nous avons commencé une série où Dieu continue à nous épater par sa fidélité, par sa parole qui vient toujours répondre à nos cœurs, répondre à nos questions, qui vient donner des solutions à nos problèmes. Et dans cette série, Dieu, par sa miséricorde, a relâché une parole prophétique. Je suis encore sur la parenthèse de l'importance de la parole prophétique. Il a dit que le temps du divorce perpétuel avec les prisons de ta vie est arrivé. Pourquoi tu vas être libéré du péché l'année prochaine, lorsqu'il a déjà dit que c'est arrivé? Pourquoi tu vas être libre de la masturbation, de la pornographie l'année prochaine, lorsqu'il a dit que la liberté c'est maintenant?
Il faut savoir t'aligner dans la parole, faire monter ta foi à la parole. Et lorsque ta foi arrive au niveau de la parole, tu deviens la manifestation de la parole. Je dis, en ce mois, tu seras la manifestation des paroles que Dieu a relâchées. En ce mois, tu seras la manifestation des paroles que Dieu a relâchées. Dieu va t'aiguiser, il va travailler ta foi, il va te bâtir, afin que ta vie soit le reflet des paroles qu'il a relâchées. Quelqu'un me dit, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il faut que ta vie soit le reflet des paroles que Dieu a relâchées. Je dis, ta vie va le divorce avec les prisons. Le temps du mariage avec les prisons, avec les maris de nuit, les femmes de nuit, avec les paralysés du sommeil, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Ta vie ne va plus jamais glorifier les paralysés du sommeil. Ta vie ne va plus jamais glorifier. Ta vie ne va plus jamais glorifier les paralysés du sommeil. Ta vie ne glorifiera plus les maris de nuit, les femmes de nuit. Ta vie ne va pas glorifier les cauchemars, la sorcellerie. Ta vie ne va pas glorifier la maladie. Ta vie va glorifier un seul, le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus le Christ, sauveur et seigneur de l'humanité. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'image de Dieu invisible, le premier d'entre les morts. Il est le chef de toute principauté, autorité et domination. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Oh Seigneur, je dis que c'est lui qui sera glorifié dans ta vie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu arriveras à la dimension où on le verra pleinement. Je dis, cette parole se manifeste dans la personne, dans la vie de la personne qui me dit Amen. Oh, ça Chanta. Je dis, ça prendra le temps que ça prendra, mais on le verra que lui. On ne verra pas la masturbation dans ta vie. Hein? On ne verra pas la pornographie. On ne verra pas la tristesse, la colère, le rejet. On verra Christ. Je dis, on verra Christ pleinement formé. On ne verra pas la peur, on ne verra pas le doute. On verra Christ pleinement formé. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra les adversités que ça prendra. Mais je t'annonce une saison de ta vie où on verra lui, on verra lui, on verra lui. On ne verra plus l'amertume. On ne verra plus la culpabilité. La culpabilité. On verra que lui. Ma soeur, mon frère, ne méprise pas la parole prophétique. Parce qu'il envoie une parole prophétique. Ne la méprise pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Ça, je ferme la parenthèse et je commence l'introduction de mon message. Sinon, je n'ai pas commencé. Ah, Seigneur, merci. Nous avons dit et nous continuons de dire, en fait, que depuis le début de la série, enfin, depuis, je pense, quelques semaines après le début de la série, nous avons commencé à parler de l'arme infaillible pour la délivrance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais donné un message. Dans le message, j'ai donné quoi comme titre? J'ai dit que l'arme infaillible, le secret infaillible pour ceux qui sont libres. J'ai donné un message comme ça, j'ai oublié le titre exact, mais j'ai parlé du secret infaillible. Et nous avons dit que le secret infaillible de ceux qui divorcent avec les prisons, voilà, c'est ça. Le secret infaillible de ceux qui divorcent avec les prisons. On a dit que le secret infaillible de ceux qui divorcent avec les prisons, c'est quoi? C'est la quête de Dieu. C'est le fait de chercher Dieu. C'est le fait de chaque jour persévérer dans la quête de Dieu. Parce que ta liberté, tu vois, ta délivrance là, ce qui va permettre que tes péchés d'hier ne soient plus tes combats d'aujourd'hui, c'est que tu arrives à rencontrer Dieu dans l'intimité. Voilà pourquoi le diable, lorsque tu tombes, t'empêche d'aller dans l'intimité, parce qu'en vérité, ta liberté se trouve dans l'intimité. Ta liberté se trouve dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le diable combat tellement ceux qui veulent vivre la présence de Dieu. Le diable combat ceux qui veulent aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ta liberté, ta délivrance, ta rédemption se trouve dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'âme est faible, c'est-à-dire que le secret qui va faire, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la gravité de tes combats, quelle que soit la lourdeur de tes combats, le secret qui va permettre, quelle que soit la condition de ta vie, d'être libéré, c'est la présence de Dieu. C'est le fait que tu arrives à aller dans la présence de Dieu. On a dit que la quête continuelle de Dieu est l'arme infaillible pour être libéré. Et il n'y a pas une liberté. La Bible dit qu'il n'y a le salut en aucun autre. Le salut, ça veut aussi dire en fait, c'est comme la liberté. Parce qu'on sauve quelqu'un. On sauve quelqu'un de ce qu'il oppresse. On sait qu'il y a de ce qu'il fait du mal. Donc le salut rime avec liberté. Il n'y a la liberté en aucun autre. Et il y a le salut en aucun autre. Ton salut, ta liberté se trouve dans la présence de Dieu. Se trouve dans la présence de Dieu. Donc lorsque tu veux te libérer, tu n'as pas d'autre choix que d'aller dans la présence de Dieu.
tu n'as pas l'autre choix que d'aller dans la parole de Dieu. Les commentaires, les vidéos sur YouTube, les conseils des parents ne libèrent pas. Je te dis, ça ne libère pas. J'étais un enfant très turbulent. Je faisais bêtise sur bêtise. Et je ne parle pas de bêtises d'un enfant, d'un jeune bébé, d'un enfant, non. Je parle de bêtises d'adolescent, mais quand tu regardes l'adolescent qui fait des bêtises, tu as l'impression que c'est un jeune. Tellement ces bêtises-là, ça dépasse son âge. Mon papa a parlé. Ma mère a parlé. Mes soeurs ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont appelé des oncles. Ils ont appelé des tantes, des professeurs. Ils ont parlé. Moi-même, quand je pense à ça, maintenant, j'ai pitié. Parce que la quantité de salive qu'ils ont gaspillée, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Ils m'ont donné des conseils, conseils sur conseils, conseils sur conseils. Ça rentre là. Ça sort pas là. Hein. Parce qu'encore pour que ça sorte là, il faut que ça rentre. Ça rentre même pas. Ça retourne. Ça retourne. Parce que la vérité, c'est que ma liberté ne se trouvait pas dans leurs conseils. Ma liberté se trouvait dans le cœur de l'esprit de conseil et de force, de connaissance, de révélation, de domination, et de crainte de l'Éternel. C'est là-bas que ma liberté se trouvait. Ma liberté se trouvait dans celui qui a dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre, je veillerai sur toi. Ils m'ont donné des conseils, mais ma liberté n'est pas venue de là-bas. Parce que la liberté ne vient pas des paroles des gens. Paul pouvait dire que notre prédication n'est non fondée sur la prédication, n'est pas fondée sur l'intelligence, la sagesse du langage, mais est fondée sur la puissance de Dieu. Oh, ce n'est pas les conseils qui transforment l'homme, c'est la présence de Dieu. Parce que ton combat là, ce par quoi tu passes, ce n'est pas un combat charnel, ce n'est pas un combat du sang, c'est un combat des esprits, c'est un combat spirituel. Et nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc, tu ne peux pas résoudre ton combat par la chair. C'est-à-dire par des décisions charnelles. Ce n'est pas parce que tu es au début de l'année, tu as fait une liste cette année, je ne vais pas tomber dans la masturbation. La liste que tu as fait là, je te pose la question. Au début d'année, là, quand tu as dit cette année, je ne tombe pas dans la masturbation, tu as fait une liste. Tu as respecté? Je te pose la question. Tu as respecté? Mais pourquoi? Parce que le combat. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Ton problème, c'est que tu essaies de régler les combats spirituels de manière charnelle. Oh, la chair est incapable de combattre le spirituel. La chair est incapable. Donc, ta liberté dans ce combat-là n'est pas dans la chair, n'est pas dans le sang. Dans la présence spirituelle de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu, c'est là-bas que te trouve ta liberté. Quelqu'un me dit un bon Amen. Alors, on a dit que chercher Dieu, il y a une manière particulière de chercher Dieu. Et on a vu ça dans Marc 5, au verset 5. La Bible dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On a dit que chercher Dieu, c'est ça, c'est Marc 5 au verset 5. C'est être capable sans cesse de demander avec Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient tes envies, quels que soient tes besoins, tu mets le désir de Dieu avant. C'est ça qu'on appelle le sans cesse. Nuit et jour, ça veut dire nuit et jour, ça veut tout simplement dire quelle que soit la saison par laquelle tu passes. C'est-à-dire que tu passes par les bons moments ou que tu passes par les mauvais moments, ton désir, c'est Dieu. C'est ce qu'on a dit. On a dit chercher Dieu là. C'est sans cesse, c'est le même désir tout le temps, continuellement sur le même désir. Nuit et jour, quelle que soit la saison, que la saison soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, de sécheresse ou bien d'abondance, ton désir, c'est Dieu. Dans les sépulcres et sur les montagnes, ça veut dire en fait être capable de chercher Dieu dans les profondeurs. Être capable de chercher Dieu dans les profondeurs. Désirer aller dans ces profondeurs. Et sur les montagnes, aller dans les hauteurs. On a dit criant, avoir un soupir intérieur et se meurtrissant avec des pierres, l'expliquer, c'est en ayant des fondements pour Dieu prêt. On va pas aller là-bas. Donc, la quête de Dieu, ça se fait comme dans Marc 5, au verset 5. Sans cesse, nuit et jour, les montagnes et sur les sépulcres. Quelqu'un me dit Amen, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et on a dit que lorsque tu cherches Dieu, lorsque chaque jour ton désir, c'est Dieu et c'est personne d'autre, tu vas finir par rencontrer, pas Dieu, tu vas rencontrer celui qu'on appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je pense que ce mot-là, vous êtes familier avec ça maintenant. Qui est familier avec ça maintenant? Je pense que maintenant, tu sais un peu c'est quoi le rémunérateur. On a dit que lorsque tu vas chercher Dieu,
Au bout d'un moment, tu vas trouver quelqu'un. Parce qu'il a dit dans sa parole, cherchez, vous trouverez. Mais celui que tu vas trouver, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu, mais c'est une autre facette. Quelle facette? La facette de celui qu'on appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelqu'un me dit Amen. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est celui qui récompense. Allons directement dans Hébreux 11, verset 6. Regardez, la Bible dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la seule fois dans la Bible que l'on parle de rémunérateur. C'est dans Hébreux 11, au verset 6. Et rémunérateur, ça veut dire celui qui récompense. À force de chercher Dieu, tu vas rencontrer un Dieu qui récompense. Comment ça se fait que beaucoup de personnes rentrent dans la pente de Dieu, sortent bredouilles et d'autres rentrent, mais sortent avec des récompenses? Qu'est-ce qui a changé? C'est que toi, tu as rencontré Dieu, mais un autre a rencontré Dieu sous sa forme de rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, quelqu'un me dit Amen. Le plus important, ce n'est pas de rencontrer Dieu. Le plus important, c'est de rencontrer quelqu'un et de sortir avec ce qu'il a à te donner. Si tu viens à un rendez-vous d'affaires et qu'au final, le contrat n'est pas signé, tu es venu pour rien. Tu as mis ton beau parfum, tu as mis ton bon parfum, tu t'es bien habillé, tu es venu, le contrat n'a pas été signé, tu n'as rien fait. Mais lorsque tu viens et tu repars avec le marché, tu viens d'expérimenter la même personne, mais sous une différente facette. On peut tous aller dans la prière, mais il y a certains qui vont et qui rencontrent celui qu'on appelle le rémunérateur. Et le rémunérateur qui veut dire en grec celui qui récompense, comment il te récompense? Il te récompense en te sortant d'une prison. Autrement dit, à chaque fois que tu rencontres le rémunérateur de ce que tu cherches, il faut savoir que tu vas sortir avec une liberté quelque part. Dépendamment de la révélation que tu as eue de lui dans l'intimité, à chaque fois que tu le rencontres dans l'intimité, il faut savoir que tu sors avec une récompense. C'est la vérité. Je sens de te prêcher mon témoignage. Il y a eu des fois où je suis rentré dans l'intimité avec la tristesse. Je suis ressorti avec la joie. C'était une prison. Même si la tristesse est venue pendant 10 minutes, j'étais en prison. Oui. Même si la culpabilité est venue 3 minutes, pendant les 3 minutes, j'étais dans une prison de culpabilité. Donc, je suis rentré avec une prison, je suis ressorti libéré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rencontré Dieu. J'ai rencontré le rémunérateur de ce que je cherche. Je prie que tu le rencontres. J'ai dit, je prie que tu le rencontres. Rencontre-le. Tu vas le rencontrer. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il te récompense. Comment? En te faisant sortir d'une prison. Alors, lorsque tu comprends ça, mais tu vas aller dans sa présence. Parce qu'il y a tellement de prisons. Vous savez, David pouvait dire à Dieu, pardonne-moi mes péchés que j'ignore. Mes péchés que j'ignore. Il était capable de reconnaître qu'il avait des prisons, qu'il ne savait même pas que ça existait. Est-ce que vous savez ça? Oh. Est-ce que... Il y a des prisons dans ta vie que tu ne sais même pas qu'elles sont là. Elles sont là quand même. Mais Dieu, lui, sait. Il y a des prisons dans ta vie. Tu ne vas jamais savoir que c'était là. Mais tu es allé dans la prison, tu es sorti, tu as été libéré. Est-ce que tu dis ça? Il y a des prisons dans ta vie, tu ne vas jamais savoir que ça existait. Mais tu sors, tu es libéré. Tu sors, tu es libéré. Vous savez, quand vous lisez dans Actes 16, et quand vous parlez de Paul et Silas en prison, vous savez que Paul et Silas, eux, avaient dit qu'ils chantaient. Et tous les prisonniers les écoutèrent. Tu sais que lorsque tu vas dans l'intimité, toutes les prisons de ta vie sont à l'écoute de ton soupir vers Dieu, mais toi, tu ne connais pas toutes les prisons. Paul et Silas ne savaient pas qui étaient les prisonniers qui étaient dans la prison. Ils ne les connaissaient pas tous. Ils pouvaient soit connaître le voisin de gauche et le voisin de droite, mais ils ne savaient pas tous. Mais lorsque l'Esprit est descendu comme un tremblement de terre, la Bible dit toutes les portes s'ouvrirent, même celles qu'ils ne connaissaient pas. Mais les prisons, elles le connaissaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le plus important, ce n'est pas les prisons que tu connais de ta vie. Le plus important. Il y a quelqu'un qui a coupé mon micro, faites attention s'il vous plaît. Merci beaucoup. Faites attention s'il vous plaît. Ça fait 2 fois. Le plus important, excusez-moi. Le plus important,
Ce n'est pas les prisons que tu connais de ta vie. Le plus important, c'est de connaître celui qui est capable de te libérer des prisons de ta vie. Parce que lui, quand tu le connais, il y a des prisons où il ne va même pas t'expliquer. Il va te libérer seulement. Tu n'as pas idée du nombre de paroles occultes et sataniques qui ont parlé contre toi. Tu n'as pas idée du nombre d'alliances qui ont été faites contre toi. Tu n'as pas idée. Mais lui, il sait. Et si tu le cherches, il va te libérer de toutes les prisons. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors, j'analysais le message de la semaine dernière. J'analysais le message de la semaine dernière. Et je me suis rendu compte que l'esprit vient de nous faire rentrer dans une mini-série. Donc, dans la grande série de Tabou, j'ai une source d'espoir. Nous venons de rentrer dans une mini-série. Quelle mini-série? La mini-série, c'est tout simplement, en fait, l'esprit en train de nous expliquer comment, malgré notre quête, malgré le fait qu'on le cherche, on n'arrive quand même pas à être libéré. Comment ça se fait qu'on prie? Comment ça se fait qu'on le cherche? Comment ça se fait qu'on le désire? Mais le péché, la prison, la masturbation, la blessure émotionnelle, la maladie est encore là. Quel est le problème? Et la semaine dernière, il nous a donné la première raison. Et il nous a dit la semaine dernière qu'en fait, c'est parce que nos chaînes sont souvent trop lourdes que ça nous ralentit. Ça nous empêche d'aller vers lui. Vous savez, il y a des prisons dans ta vie qui sont tellement grosses parce qu'elles ont duré dans ta vie et parce qu'elles sont fréquentes dans ta vie que il est difficile pour toi d'en être libéré. Mais ce n'est pas que tu n'es pas capable de te libérer. Mais j'ai expliqué ça la semaine dernière. C'est parce qu'en fait, Dieu se trouve dans les montagnes. Et lorsque tes chaînes sont lourdes, ça sera très difficile pour toi de gravir une montagne. Parce qu'il n'y a pas plus difficile pour un homme que d'aller en hauteur avec des poids sur lui. Donc le problème, en fait, ce n'est pas que Dieu va te libérer. C'est que ta prison est tellement lourde que ça t'empêche d'aller vers celui qui peut te libérer. Parce que la liberté se trouve dans sa présence, ce n'est pas en dehors. Donc lorsque tu vas lui, tu vas devoir aller vers lui. Mais souvent, on est tellement enchaîné, on est tellement prisonnier, qu'il est difficile pour nous d'aller vers lui. Donc la première raison qui fait que malgré le fait qu'on prie, malgré le fait qu'on le cherche, on n'arrive quand même pas à être libéré, c'est que souvent, nos prisons sont tellement fortes. Quelqu'un me dit Amen. Et ça, j'ai expliqué le message la semaine dernière, donc je te conseille d'aller le regarder encore une fois. Donc ça, c'est la première raison. Mais je ne vais pas trop parler dessus. C'est la première raison, tu peux aller regarder le message de la semaine dernière. Et la deuxième raison, donc c'est le message d'aujourd'hui, que l'Esprit m'a montré, c'est qu'il m'a dit, la quête de Dieu, quand on parle de chercher Dieu, la quête de Dieu, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon qui, à la fin, te donne une récompense. Je vais t'expliquer. Il m'a dit la quête de Dieu, chercher Dieu là, c'est pas un sprint. C'est un marathon qui à la fin te donne une récompense. Qui à la fin te donne une récompense. Lorsqu'on parle de sprint, on parle de vitesse. Mais lorsqu'on parle de marathon, on parle d'endurance. Dieu en train de te dire que le chercher, c'est pas avec la vitesse, le chercher, c'est avec l'endurance. Oh, donc là, mais je vais te parler. Pour certains, ta délivrance tarde parce que Dieu veut voir si tu es assez endurant pour le chercher. Pour certains, ta délivrance tarde parce que Dieu veut voir si tu es assez endurant pour le chercher. Il veut voir si tu es assez endurant pour le chercher. Est-ce que tu es capable de faire un marathon de quête de Dieu? Ou tu fais partie de ceux qui font le marathon et qui abandonnent? Parce qu'ils ne voient pas la ligne d'arrivée. Oh, il y a des personnes qui ont dit je vais courir 10 km. Ils ont fait 1 km. Ils ont dit je vais continuer. Parce qu'ils se disaient que dans un marathon, dès les premiers kilomètres, on arrive à voir la ligne d'arrivée. Non, on arrive à voir la ligne d'arrivée seulement à peut-être 200 mètres avant la ligne d'arrivée. Au début, c'est très difficile de voir la ligne d'arrivée. Mais beaucoup arrivent de le chercher parce que ils ont regardé le chemin. Ils ont dit non, c'est trop loin. Je ne pourrai pas y arriver. Est-ce que tu as assez endurant dans la quête de Dieu? Est-ce que tu es capable d'être endurant dans la quête de Dieu? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? Oh Seigneur, viens parler à nos cœurs. Saint-Esprit parle à nos cœurs. Pour certains, ta délivrance tarde parce que Dieu voit si tu as assez endurant. Est-ce que tu as assez endurant dans la quête de lui? Je vais t'expliquer.
Ça veut dire quoi? Laisse-moi montrer deux cas. Dans certains cas, ta délivrance tarde parce que c'est la prison elle-même qui te ralentit, qui ralentit ta liberté. C'est-à-dire la prison est tellement grande que ça te prend du temps pour être libéré. Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Mais ce que je t'explique cette semaine, c'est qu'il y a un autre cas. Là, ce n'est pas la prison qui te ralentit. C'est Dieu lui-même qui te ralentit. Je vais t'expliquer, pas t'inquiéter. Tu ne peux pas commencer à dire Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, calme-toi. Je vais t'expliquer. Il y a des prisons dans ta vie où c'est la prison elle-même qui ralentit ta liberté. Mais il y a des prisons dans ta vie où c'est Dieu lui-même qui ralentit ta liberté. Et tu sais comment on sait ça? C'est parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Dieu agit ainsi parce que Dieu veut voir si tu le cherches de manière intéressée ou désintéressée. Dieu, je vais recommencer, je vais t'expliquer. D'abord, comment savoir que c'est la prison qui nous ralentit? Comment on sait que c'est la prison qui ralentit notre liberté? On le sait lorsque nous n'arrivons pas à faire la rencontre du rémunérateur dans la facette de lui que nous avons besoin. C'est-à-dire que, j'ai expliqué ça la semaine dernière, j'ai dit que tu vas remarquer que il y a certaines prisons où tu as besoin de la sainteté pour être libéré, mais tellement la prison est grosse, quand tu pries, tu ressens toutes les présences de Dieu. Mais la sainteté, là, tu ne ressens pas. Parce que lorsque tu es dans la masturbation, tu n'as pas besoin de ressentir la joie de Dieu. Tu as besoin de ressentir sa sainteté. Mais tu es dans la masturbation, tu pries, tu pries, tu pries, tu ne ressens pas sa sainteté, tu ressens sa joie, sa douceur, tu ressens son pardon. Mais toi, tu veux ressentir la sainteté. Parce que ta liberté ne se trouve pas dans sa joie. Ta liberté de la masturbation se trouve dans la sainteté. Ta liberté de la tristesse se trouve dans sa joie. Mais tu pries pour avoir sa joie et tu ne ressens pas sa joie, tu rencontres sa patience. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal parce que normalement, toi, tu veux être libéré. Tu vas être libéré. Donc, tu viens pour avoir une facette de lui qui va venir gérer, en fait, va venir te faire sortir de ta prison. Mais tu vas remarquer que tu pries, tu pries, tu pries pour ressentir sa sainteté parce que tu vas être libéré de l'impudicité, mais tu ne ressens pas sa sainteté. Tu ressens autre chose. Donc, ça veut dire que ta liberté, là, est bloquée. Mais lorsque tu es dans un tel cas, c'est la prison elle-même qui te ralentit. C'est la prison elle-même qui te ralentit. Mais. Comment tu sais que c'est là? Comment tu sais que c'est Dieu qui te ralentit et que ce n'est pas la prison? C'est lorsque, il m'a dit, c'est lorsque tu pries, tu rencontres le rémunérateur dans la facette que tu as besoin, mais malgré ça, tu n'es pas libéré. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que tu pries, hein, tu es dans la masturbation, tu es dans l'impudicité, tu pries. Tu rencontres sa sainteté. Et quand tu rencontres sa sainteté, tu es rempli d'assurance. Tu es rempli de confiance. Mais quand tu sors de sa présence, tu retombes. Pourtant, tu sais très bien que tu as rompu sa sainteté. Tu sais très bien que tu as rompu sa sainteté, mais quand tu ressors, c'est comme si tu n'as jamais rompu sa sainteté. Es dans la tristesse. Tu es dans la tristesse. Tu vas dans la présence de Dieu et tu rencontres le rémunérateur sous sa forme de sa joie. Tu rencontres sa joie. Donc, ce dont tu avais besoin. Mais quand tu ressors de sa présence, la même tristesse revient. Est-ce que c'était un rêve? C'était pas un rêve. Tu sais très bien ce que tu as vécu. Tu sais que tu as vécu sa joie. Tu sais que tu as vécu sa patience. Tu sais ce que tu as vécu. Mais quand tu ressors de sa présence, c'est comme si tu n'as pas vécu ce que tu as vécu. Donc ça paraît, ça prête à confusion. Ça prête à confusion. Mais lorsque tu es dans un tel cas, lorsque tu viens dans sa présence, tu rencontres ce que tu as besoin. Mais malgré le fait que tu aies rencontré ce que tu as besoin, tu n'arrives pas à sortir avec ça. Ça n'arrive pas à demeurer dans ta vie. Imagine de te dire que dans ce cas, ce n'est pas la prison qui te bloque, c'est lui qui te ralentit. Mais pourquoi Dieu va te ralentir? C'est parce que Dieu veut voir si tu le cherches, parce que tu es intéressé par la délivrance, ou tu es intéressé par lui. Ou tu es intéressé par lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors le titre de mon message, c'est tout simplement, le titre de mon message, c'est « Je prie un Dieu qui libère ». Mais je suis encore prisonnier. Est-ce normal? Je prie un Dieu qui libère, mais je suis encore prisonnier. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Je prie un Dieu qui libère, mais je suis encore prisonnier. Est-ce normal? J'aimerais vous dire que oui, c'est normal. Oh, je sais que je suis venu casser des faux raisonnements. Je suis venu briser des faux raisonnements dans ta tête. Oui, c'est normal.
Oui, c'est normal, parce que Dieu met à l'épreuve ton soupir. Tout ce que tu lis dans le spirituel, Dieu va le mettre à l'épreuve. Lorsque tu soupires, tu dis à Dieu, je te veux toi. Est-ce que tu es sûr que tu le veux? J'aimerais te poser la question. Si Dieu tout de suite venait à te libérer de ce péché, il venait à te guérir de cette maladie, est-ce que tu vas continuer à le chercher comme tu le cherches aujourd'hui? Si Dieu te donne ce que tu as demandé, est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Le rêve que tu veux là, si Dieu accomplit le rêve que tu veux aujourd'hui, je te pose la question. Sois franc avec toi-même. Est-ce que tu vas continuer à le chercher? Est-ce que tu vas continuer à prier? Tu vas continuer à te sanctifier? Tu vas continuer à te sanctifier? Est-ce que tu vas être sincère dans sa présence? Donc voilà pourquoi tu pries un Dieu qui libère, mais tu es encore prisonnier. C'est normal. Il veut voir si tu es venu parce qu'il te libère ou bien tu es venu parce que tu vas être prisonnier de lui. Oh. Il veut voir. Donc c'est normal. Oui, c'est normal. Je suis venu choquer quelqu'un et casser les faux raisonnements qui sont érigés dans ta tête avec orgueil contre la connaissance de Christ. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas parce que ton papa est riche que chaque fois qu'il te voit, il te donne de l'argent. Il ne fait pas ça. Tu es d'accord avec moi? Il ne fait pas ça. Tu es d'accord avec moi? Il veut tester. Il éprouve. Donc c'est normal. C'est pleinement, totalement normal. Dieu met à l'épreuve ton cœur. Il met à l'épreuve ton soupir. Il met à l'épreuve ton désir. Il met à l'épreuve ton désir. Alors, comment faire pour prouver à Dieu que c'est lui que tu veux? Lorsque tu es dans une position comme ça et que tu pries, mais tu as l'impression que rien n'avance. Pourtant, tu sais que celui que tu pries est capable de changer cette situation selon qu'il a dit. Il est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Mais comment on fait pour lui prouver que c'est lui réellement que tu veux? Comment on fait? On applique la même chose qu'on a dit la semaine dernière. On persévère dans la quête de lui. On ne change pas de soupir. On ne demande pas quelque chose d'autre. On demande que lui. Et il m'a donné une révélation qui m'a tellement marqué. Lorsque tu es dans une telle position, il m'a dit, persévère dans la quête de qui il est. Malgré cette condition, il faut persévérer dans la quête de qui il est. Faut persévérer dans la quête de qui il est. Parce qu'il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, lorsque la délivrance tarde, alors que Dieu t'a donné accès à sa délivrance par sa présence, ça veut dire que il veut faire plus avec toi que simplement opérer un miracle. Parce que lorsque tu te présentes à lui avec une condition, avec une prison, c'est parce que tu vas être libéré, n'est-ce pas? C'est parce que tu vas être libéré que tu fais ça. Mais lorsque tu vas dans sa présence pour être libéré, mais que tu le rencontres, tu rencontres celui qui libère, mais que tu sors sans avoir été libéré, c'est parce qu'il ne veut pas seulement te libérer, il veut faire plus que te libérer. Lorsque tu pries et tu as ressenti la main de Dieu, lorsque tu ressens, vous savez, il y a des moments de prière. Hein? Il y a des moments de prière où tu ressors, tu regardes les démons comme ça et tu dis, hey, vous leur allez me faire la guerre. Vous ne pouvez pas. Je vais vous écraser. Il y a des moments de prière où tu ressens avec de l'audace. C'est déjà arrivé ça. C'est-à-dire que tu ressens, tu as l'impression que même Satan, même si tout le suite il vient, tu l'écrases. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué ça? Il y a des moments de prière où tu sors avec une conviction, avec une révélation de qui tu es. Tu as juste envie d'une chose, c'est que tous les sorciers de ta famille t'apparaissent. Comme ça, tu vas les écraser. C'est tout ce que tu veux. Y a des dimensions de la prière comme ça. Tu sors avec une révélation de qui tu es. C'est trop fort. Tu sors avec une présence. C'est trop fort. Mais lorsque tu pries, même avec cette condition, mais que tu sors avec une telle condition, avec une telle conviction, excusez-moi,
et que malgré ça, tu retombes quelque temps après et que tu as l'impression que, ah, avec ce que j'ai reçu là, je suis encore tombé. L'esprit m'a dit de te dire que quand tu es dans ce cas-là, hein, ça veut dire que Dieu ne veut pas simplement te libérer d'un péché. Il ne veut pas simplement te donner un dépôt. Il veut te donner plus que ça. Bon, je ne sais pas si quelqu'un le comprend ce que je suis en train de dire. Lorsque tu ressens que la parole relâchée, la parole prophétique, tu ressens vraiment qu'elle commence à se manifester dans ta vie. Mais que tu ressens, hein, il y a des moments où tu ressens, mais quelque temps après, tu rechutes. Mais tu te dis, mais ah, c'est comme si je fais deux pas en avant et trois pas en arrière. Mais tu sais que là, le démon n'est pas plus fort que toi. Parce que quand j'ai dit, il y a 2 jours, j'ai dit, tu ne voulais pas tomber, tu n'es pas tombé. Mais comment ça se fait que 2 jours après, tu tombes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Veut dire que c'est Dieu lui-même qui ralentit la chose. Et pourquoi Dieu ralentit? Dieu ralentit parce que Dieu ne veut pas simplement faire un miracle dans ta vie. Il veut plus faire. Si, malgré le dépôt que tu as reçu, écoute-moi bien, écoute cette phrase. Si, malgré le dépôt que tu as reçu, et malgré le dépôt que tu as reçu, cette condition te domine encore, ça veut dire que la main de Dieu n'est pas suffisante pour te combler. Il veut te combler avec son cœur. Si malgré le dépôt que tu as reçu, tu retombes encore, ça veut dire que la main de Dieu n'est pas suffisante pour te combler. Il veut te combler avec son cœur. Il a dit, les apôtres ont prié, ils ont dit, étends ta main qu'il se fasse des miracles, des signes et des prodiges. Mais il y a des moments où tu ressens que tu viens d'avoir ton miracle. Il y a des moments où tu ressens que tu viens d'avoir ton prodige. Il y a des moments où tu ressens que tu viens d'avoir ta liberté. Et malgré ce ressentiment, ce ressenti, tu retombes quelque temps après. Ça veut dire en fait que la main de Dieu qui a été étendue sur toi, ça là, c'est pas suffisant pour toi. Donc lorsque la main de Dieu n'est pas suffisante pour toi, il faut savoir qu'il s'apprête à donner son cœur. Je dis, lorsque la main de Dieu n'est pas suffisante pour toi, il faut savoir qu'il s'apprête à donner son cœur. Oh, je pensais que quelqu'un allait écrire ça en commentaire pour garder. Vous savez, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Que des paroles. Vous savez, la prédication là, c'est la prédication, tout ce que j'ai enseigné. Si je te pose la question dans une semaine, qu'est-ce que tu as retenu? Tu pourras tout me dire. Mais il y a des phrases qui bouleversent. Il y a des phrases qu'on garde. Il y a des phrases qu'on garde. Moi, les prédications qui ont bouleversé ma vie. Si vous me demandez le titre, je ne peux pas vous dire. Si vous me demandez la date, je ne peux pas vous dire. Mais si vous me demandez une phrase, je peux vous dire. Je peux vous dire. Lorsque la main de Dieu n'est pas suffisante pour toi, ça veut dire qu'il s'apprête à donner son cœur. Y a des personnes, Dieu a juste besoin de tendre sa main et c'est fini. Alors que Dieu soit fini. Mais il y a d'autres, il étend sa main, mais ça continue. Ça veut dire que la main de Dieu n'est pas suffisante. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas puissant. Hein. Ça ne veut pas dire que la main de Dieu n'est pas puissante. Ça veut dire que pour toi, ce que Dieu veut faire en toi, sa main est trop petite. Il faut son cœur. Parce que le cœur contient la main. Voilà pourquoi lorsque le cœur a un problème, tout le corps a un problème. As-tu déjà vu une personne qui a de l'AVC? Une personne qui a de l'AVC, quand son cœur prend un problème, tout le corps est bloqué. Parce que tout vient du cœur. Donc Dieu, en te donnant le cœur, te donne seulement une main, deux mains, trois mains, quatre mains, ce que tu veux. Mais lorsqu'il veut te donner le cœur, vous savez que donner plus qu'il veut te donner dans la main. Donc lorsque la main de Dieu n'est pas suffisante, il y a le cœur qui s'apprête à te donner. Parce que le rémunérateur a deux facettes. Il a la facette de sa main, mais il a aussi la facette de son cœur. Il a la facette de sa main et il a la facette de son cœur. Et sa main, la main du rémunérateur, opère des grands miracles. La main du rémunérateur opère des grands miracles. OK? Lorsque tu vois, lorsque tu entends quelque part que la main de Dieu a été étendue, c'est lorsque tu vas voir des grands miracles. C'est lorsque tu vas voir des grands miracles, des grandes libertés. Mais il m'a dit, sa main opère des grandes libertés. Mais son cœur opère des grandes libertés qui demeurent, qui restent, qui restent. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi le cœur opère des libertés qui restent? C'est parce que le cœur ne libère pas seulement. Le cœur rend aussi amoureux. Le cœur ne libère pas seulement.
le cœur amoureux. La main du rémunérateur libère seulement, mais le cœur te libère et te rend amoureux. Le cœur te libère et te rend amoureux. Alors, lorsque la main ne suffit pas, ça veut dire que Dieu veut faire de toi un amoureux. Dieu veut faire de toi un amoureux. Voilà pourquoi tu as l'impression que ce péché-là ne finit pas. Tu pries, tu ressens sa main, mais tu sors. Le combat encore là. C'est parce que sa main n'est pas suffisante. Il veut te donner son cœur. C'est-à-dire, il veut te rendre amoureux. Alors, ça paraît contradictoire. Comment quelqu'un qui veut que je l'aime va ralentir ma liberté? Comment quelqu'un qui veut que je l'aime va ralentir ma délivrance? Comment quelqu'un qui veut que je l'aime va faire ça? C'est parce que les véritables amoureux, ils aiment plus que les intérêts. Donc, lorsque Dieu ralentit ta délivrance, c'est pour voir si tu es capable de l'aimer plus que ta liberté. C'est pour voir si tu es capable de l'aimer plus que ta délivrance. C'est pour voir si tu es capable de l'aimer plus que ta guérison. On a prié pour toi. Moi-même, j'ai prié pour toi. Souvent même, je regarde ta vie. On prie, on prie, on prie. J'ai l'impression même que je n'ai pas l'onction. Oh, je sais que j'ai l'onction. Mais c'est la même chose. C'est parce que la main n'est pas suffisante. Le cœur. Et le cœur, j'aimerais te dire qu'aucun homme de Dieu, par une prière, peut te donner le cœur. Le cœur, c'est toi qui l'as. Le cœur, c'est toi qui le demandes. Le cœur, c'est toi qui le travailles. Je peux prier pour toi. Dieu va étendre sa main. Je ne peux pas prier pour toi. Dieu va donner son cœur. Je peux intercéder dans l'intimité pour que Dieu te révèle son cœur. Il va le faire dans la suite des temps. Mais je ne peux pas prier pour toi. Et Dieu va dire, je te donne mon cœur. Non. Le cœur, c'est une autre dimension. Le cœur, c'est la véritable intimité. Le cœur, c'est ceux qui arrivent à connaître Dieu véritablement. Parce que le cœur va t'amener à dire des choses folles à Dieu. Le cœur m'a amené à dire une fois à Dieu, j'ai dit à Dieu, même si je ne vais pas au ciel, c'est pas grave. Le plus important, c'est de te connaître. Oh, j'ai dit à Dieu, je te veux plus que l'éternité. Je te veux plus que l'accomplissement de ma destinée. Le cœur m'a amené à dire à Dieu, te veux plus que respirer. Je te veux plus que les récompenses célestes. Je te veux plus que la bénédiction. Je te veux plus que la popularité. Le cœur va t'amener à dire comme Paul, tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai vu comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. La connaissance. La connaissance n'est pas dans la main, c'est dans le cœur. Alors lorsque la main de Dieu n'est pas suffisante, Dieu veut t'amener à son cœur. Et son cœur, tu dois persévérer dans la quête pour avoir son cœur. Tu dois persévérer dans la quête pour avoir son cœur. Il y a une manière de persévérer qui est différente. C'est que là, pour avoir son cœur, tu dois être capable de dire à Dieu, je veux rien d'autre que toi. Vous savez, dans la quête de Dieu, il y a différentes manières de chercher Dieu. Il y a des moments où tu cherches, en fait, il y a des dimensions, il y a différentes dimensions, pas différentes manières, il y a différentes dimensions. Il y a des dimensions de la quête de Dieu où tu vas simplement dire à Dieu, je te veux. Je te veux. Je veux te connaître. Tu es le premier désir de mon cœur. C'est vrai. C'est une bonne dimension. Mais il y a une dimension supérieure où tu vas dire à Dieu, je ne veux rien d'autre que toi. Que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, je ne veux que toi. Quand tu arrives à cette dimension, sache que là, tu as dépassé la main, tu es en route pour le cœur. Ah. Quand tu arrives à cette dimension, tu as dépassé la main, tu es en route pour le cœur. Être capable de dire à Dieu, je ne veux rien d'autre que toi. Que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas. Je veux rien d'autre que toi. Moi, j'ai dit à Dieu, Père, que tu me donnes popularité ou pas, c'est toi que je veux. Notoriété ou pas, c'est toi que je veux. Même la conversion des âmes, c'est toi que je veux. Que tu me donnes relation ou pas, c'est toi que je veux. Que tu me donnes de la foule ou pas, c'est toi que je veux. Que tu me donnes l'onction ou pas, c'est toi que je veux. Que tu me donnes l'autorité ou pas, c'est toi que je veux. Que tu me donnes l'argent ou pas, c'est toi que je veux. Que tu me donnes la sagesse ou pas, c'est toi que je veux. Don spirituel ou pas, c'est toi que je veux. Relation ou pas, c'est toi que je veux. Alors, tu vois ce que je viens de te répéter là? Tout ce que je viens de dire à l'instant. Je ne les ai pas inventés. Tu vois la facilité avec laquelle je te dis? C'est parce que j'ai l'habitude de le dire dans le lieu secret. Voilà pourquoi ça coule lorsque je le dis. Parce que mon cœur est sincère. Oh Seigneur. La santé ou pas, c'est toi que je veux. Quelle que soit la condition dans laquelle je suis, j'ai dit à Dieu une fois, même si tu ne me libères pas, et même si je suis le serviteur de Dieu
le plus grand péché qui existe. Donne-moi de t'aimer seulement. Le plus important pour moi, ce n'est pas la délivrance. C'est la connaissance de qui tu es. Le cœur. Le rémunérateur a deux facettes. Lorsque tu pries, tu expérimentes sa main, mais que tu te sens ralenti. Tu ressens que malgré sa main, tu n'arrives pas à sortir du péché. Ça veut dire qu'il ne veut pas seulement te donner sa main, il veut te donner son cœur. Et son cœur, c'est entre toi et Dieu. Personne ne peut t'aider à avoir son cœur. Personne ne peut t'aider à avoir son cœur. C'est entre toi et lui. Je suis venu ici pour susciter une génération de personnes qui ne veulent plus seulement avoir la main de Dieu, mais qui veulent le cœur de Dieu, qui veulent le connaître. C'est quoi une relation avec Dieu à intérêt? L'évangile de nos jours a suscité une génération de personnes qui veulent seulement ce que Dieu donne, mais qui ne le veulent pas. Et c'est fou comment le diable est rusé. Normalement, ça devait être nos parents qui devraient avoir une relation avec Dieu où ils demandent seulement des choses. Parce qu'eux ont des charges. Mais nous, on est jeunes. On ne paye rien. Mais on cherche Dieu pour ce qu'il donne. Mon frère, ma soeur, profite du fait que tu es jeune, de cette grâce, de ce qu'aujourd'hui tu n'as pas réellement de besoin. Et fais de Jésus ton besoin. Parce que si tu t'alignes dès ta jeunesse, a fait de lui ton plus grand désir. Demain, quand il va se présenter à toi des choses dont tu as besoin, tu sauras dire que tu me donnes, que tu ne me donnes pas. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Que Jésus soit le soupir de ton cœur. Qu'il soit le désir de ton âme. Qu'il soit le cri de ta vie. Qu'il soit celui que tu recherches chaque jour de ta vie. Dans les moments compliqués ou faciles, cherche-le. Connais-le. Aime-le. Son cœur. Le rémunérateur. Il a une main. Il a un cœur. Lorsque tu rencontres son cœur. Le jour où tu rencontres son cœur, tu vas vouloir rester avec lui. Le jour où tu rencontres son cœur, tu vas plus jamais vouloir le quitter. Est-ce que tu sais ça? Le jour où tu rencontres son cœur, tu vas le connaître véritablement. Et ça, je vais t'expliquer ça la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Merci Seigneur Jésus. Va parler. Arrivé. Alors, je vais donner l'opportunité à une personne qui est connectée au son de ma voix. Tu es connecté avec nous, mais tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Tu es connecté au. Je vais faire deux prières. Je vais prier pour ça. Je vais prier pour les malades, pour les personnes qui sont malades. Aussi, il y a une personne de ton entourage qui est malade. Je vais prier aussi. Donc, la première prière, c'est est-ce que tu es connecté? Il y a quelqu'un qui est connecté qui n'a jamais fait ce qu'on appelle la prière de la nouvelle naissance, la prière du salut. Si tu es dans ce cas, mets oui en commentaire, mais moi plutôt. Mais moi, rapidement, rapidement, avant que nous passions à autre chose. Si tu n'as jamais fait la prière du salut ou la prière de la nouvelle naissance, c'est la même chose, tu mets moi. Alors, rapidement, ma soeur, la prière du salut, c'est tout simplement une prière qui te donne accès à ce qu'on appelle devenir un enfant de Dieu. Excusez-moi. Devenir ce qu'on appelle enfant de Dieu. Tu sais, la religion, nous sommes beaucoup dans la religion. Pratiquement tout le monde ici sont des personnes de famille chrétienne. Mais la religion, ce sont les hommes qui essaient d'aller vers Dieu. Mais Dieu a essayé de venir vers les hommes au travers de ce qu'on appelle la relation. Et cette relation, il a donné son Fils unique, Jésus le Christ, qu'il a tant aimé. Mais il a donné pour nous, parce qu'il nous a tant aimé aussi. Il nous a tant aimé qu'il nous a donné son Fils. Et quiconque accepte son Fils comme son Seigneur et son Sauveur et reconnaît que sa vie avant était une vie de péché et qu'il décide de marcher dans sa volonté, et c'est ça qu'on appelle une personne qui est née de nouveau. Donc,
La prière du salut, c'est une prière qui dit, qui proclame, qui annonce aux gens autour, publiquement, que je reconnais que sans lui, j'étais perdu, mais qu'à partir d'aujourd'hui, je reconnais qu'il est capable et qu'il m'a retrouvé. Et je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'ai pas dit Sauveur et Seigneur, j'ai dit Seigneur et Sauveur. Parce qu'il décide dans ta vie, il te guide, c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va faire en sorte que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et il sera ton aide au jour du malheur et au jour du bonheur. Alors, est-ce que tu fais cette prière avec moi? Si tu fais cette prière avec moi, tu mets oui en commentaire rapidement. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Tu mets oui en commentaire rapidement. Oui. Alors, si tu veux faire cette prière avec moi, je vais te demander rapidement d'ouvrir ton micro et tu vas le répéter quand la Bible dit confessez-le publiquement. Donc, ouvre ton micro et tu vas répéter après moi cette prière. Tous connectés, on a tous fait cette prière. Donc, il ne faut pas avoir honte de qui que ce soit. Alors, tu vas juste répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci. 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 Parce qu'aujourd'hui, Parce qu'aujourd'hui, merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. merci parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. Et alors aujourd'hui, Seigneur, Et alors aujourd'hui, Seigneur, je reconnais je reconnais. que ma vie d'hier Ma vie d'hier était séparée de toi. était séparée de toi. Et je t'accepte Oui, parfait. comme un nouveau départ, Comme un nouveau départ. comme mon Seigneur, Pardon. comme mon Comme mon Seigneur Seigneur. Comme mon Seigneur. et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Je crois Quoi? que tu es ressuscité des morts. Bien. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je prie que la main de Jésus soit sur toi. Que cette décision que tu as prise, tu t'accroches et que tu ne te détournes pas par la grâce de Dieu. Alors, je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée au son de ma voix, mais qui ne se sent pas bien, qui a des douleurs, qui a une maladie qui se répète dans sa vie, mais qui est connectée au son de ma voix? Il y a vraiment une forte onction de guérison. Donc, s'il y a quelqu'un de malade, ou il y a quelqu'un dans ton entourage, c'est-à-dire qui est dans le lieu où tu es actuellement et qui est malade, dis-moi seulement en commentaire rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. C'est quoi la maladie, ma soeur? C'est quoi la douleur? Just tell me. Il y a une onction de guérison, une onction pour faire de toi un témoin. Des points de vente. Les bras sont rentrés. Alors, tu vas mettre ta main sur ton ventre. Tu vas mettre ta main sur ton ventre. Lorsque vous mettez la personne, vous mettez aussi le problème de cette personne. Alors, tu vas mettre ta main sur ton ventre, ma sœur. Et je prie dans le nom de Jésus, maintenant, que là où il y avait des problèmes, là où il y avait des serpents qui mordaient dans ton ventre, mets ta main sur ton ventre, pas écrire. Là où il y avait des problèmes, des serpents qui mordaient, qui te créaient des douleurs continuelles, 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 continuelles. Je déclare dans le nom de Jésus que ces serpents soient écrasés. Cette douleur a trop duré. J'annonce le jubilé maintenant et j'annonce maintenant ta guérison totale. J'annonce ta guérison totale au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Ces problèmes partent et ne reviennent plus maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ta maman, est-ce que ta maman est là à côté de toi? D'abord, est-ce qu'elle est à côté de toi? Elle a quelle douleur? C'est quoi? C'est à moi ses yeux, quoi? Ça lui fait mal? Elle voit pas de loin, elle voit pas de près, c'est quoi? Mais c'est quoi la douleur? Bon, pendant que j'explique, le brassier, c'est quoi la douleur? Elle a mal?
Rapidement, rapidement. Le syndrome de Yel. Elle ne voit plus bien causer un accident dans la cuisine. C'est que c'est des quand ça. Ok, quelle que soit la douleur, ça ne m'intéresse pas. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que ta maman sait que tu pries avec nous? Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle le sait? Elle le sait. Mais elle avait des invités, c'est ça? C'est les invités de la famille. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si c'est possible. Hein. Que tu ailles vers elle et que tu lui demandes juste de se mettre un peu de côté pour que je prie avec elle. Parce que je ressens de prier pour elle, mais je ne peux pas le faire. C'est possible. Donc, tu vas l'appeler et tu vas juste la mettre un peu de côté. Tu vas lui demander, maman, il faut venir un peu, s'il te plaît. Juste, maman. Et tu vas la guérir, ok? Tu vas le faire. Mais quand tu le fais, tu envoies un message. Pendant ce temps, je prie pour nos soeurs. Le syndrome de Yel. Alors, je déclare ma d'arrêter. Mets ta main sur ta tête, mets ta main sur ta tête. C'est rien là. Mets ta main sur ta tête. Pendant que tu mets ta main sur ta tête, c'est la tête de ton papa et ta main est un point de contact. Que la guérison soit le partage. Quand je rentrais dans mon année de 20 ans, l'esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, tu vas guérir des maladies incurables. Il m'a dit, c'est une année où tu vas guérir des maladies incurables. Je déclare que, bon, comme la maman est là, on va prendre la maman d'abord. Alors, je vais demander, est-ce que ta maman peut juste mettre sa main sur ses yeux? Ses yeux, s'il te plaît. Peut juste mettre sa main sur ses yeux. Et je vais juste déclarer des paroles. Et là où elle ne voyait pas bien, où elle avait mal, Dieu va restaurer pleinement ses yeux. Merci Seigneur Jésus, de ce que tu es le Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, tu es un Dieu qui ne crée pas les choses endommagées. Là où tu as créé quelque chose, ils ont été endommagés. Viens, Seigneur, donner de nouveaux yeux. Viens glorifier ton nom. Guéris pleinement les yeux de notre maman. Enlève toute douleur. Enlève toute cécité qui voulait se fondre dans la masse. Et là où les serpents mordaient ses yeux, que ces serpents soient écrasés, que les douleurs qui perturbaient ses yeux soient écrasées et qu'elles soient guéries maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, qu'elles reçoivent la guérison dans l'œil gauche, qu'elles reçoivent la guérison dans l'œil droit. Dieu restaure pleinement. Son nom est glorifié. Et voici encore un nouveau témoignage dans votre famille. Amen. Maman, tu peux constater, constate, maman, constate que la guérison est partie. Non, nous, on ne veut pas les merci. Nous, on veut ça va mieux. C'est ça, nous, on aime. Ok. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'elle le sent? Est-ce qu'elle voit? C'est ce qu'on veut savoir, en fait. Je comprends trop. Ok. Le syndrome. Restez concentrés, s'il vous plaît. Arrêtez de rigoler dans les commentaires. Je sais pas si vous avez quel problème. Je prie pour voir de Cyril. La Cyril a mis ta main sur ta tête. Pendant que je prie. Sarabante, Tarada, Santé. Que le Seigneur qui restaure les corps restaure pleinement le corps de ton papa. Et que cela serve de témoignage à sa vie. Et qui rencontre Dieu comme le Seigneur et Sauveur. Que cela serve de témoignage à sa vie. J'ai plutôt une parole en soi. C'est que Dieu. Allez, beau ça. C'est que Dieu va utiliser la guérison de ton papa comme un témoignage dans sa vie. Et que c'est par cette guérison, c'est plutôt une parole, c'est même pas une prière, mais c'est une parole, que c'est par cette guérison-là qu'il va venir à Christ. Je ne connais pas sa relation avec Dieu, on n'en a jamais parlé, mais il va s'approcher de Christ par cette guérison. Elle descend, Taraba descend. Je prie aussi pour le neveu de Gemma, que là où il y avait un esprit, les bras Santa, Santa. Jésus a dit, il a dit, ce type d'esprit sont chassés par le jeûne et par la prière. J'ai jeûné, j'ai prié, inspiré par l'esprit. Que ce démon d'autisme, quel que soit là où il est, que la parole localise ce démon et que ce démon soit chassé
Je prie que ce neveu, cet enfant grandit en statue et en sagesse, qu'il grandisse avec le Christ, qu'il rencontre Christ, qu'il aime Christ, qu'il soit un disciple de Christ, qu'il soit restauré, que la sagesse et l'intelligence qui lui avaient été dévorées avant sa naissance lui soient redonnées pleinement et qu'il soit totalement restauré, transformé. Je donne 2 mois que vous allez voir le changement total de cet enfant. Vous allez voir le changement total de cet enfant. Je prie pour Samy. Il a dit, cette fait mal au pied droit. Allez, beau ça. Allez, beau chat. Que la guérison te localise maintenant. Que la guérison te localise maintenant. Essaie de toucher, essaie de faire des mouvements. Tu constates que la guérison est ton partage. La douleur est partie. Regarde. La douleur est partie. La douleur est partie. Je déclare que Dieu guérit quiconque est malade. Si tu es malade et tu n'as pas déclaré ta maladie, que Dieu localise quand même ton corps et que tu sois restauré. Dans le nom de Jésus, le Christ. Alors nous avons ainsi prié dans sa présence et nous croyons qu'il a fait. Je suis convaincu.